Bonjour, je m'appelle Jean-François Piège, je suis le chef des cuisines de l'hôtel de Crillon à Paris, 10 place de la Concorde. Nous avons la chance d'avoir plusieurs restaurants au sein de notre établissement, dont le restaurant gastronomique Les Ambassadeurs, ainsi qu'un restaurant qui s'appelle l'Obélisque, que j'ai défini comme cuisine du quotidien, et bien évidemment les salons de réception et aussi le service en chambre qui s'appelle room service dans notre maison. En fait, la volonté qui m'a animé à choisir ma profession tout jeune était celle d'être jardinier. Et l'âge de réflexion m'a amené à me dire, mais quel autre métier que celui de jardinier peut magnifier les produits? Et bien évidemment, le premier qui m'est apparu, c'est cuisinier. Et je crois que notre métier se définit très très bien par une philosophie, c'est de rendre très bon ce que la nature nous a donné déjà de très beau. Et je crois que c'est essentiel dans notre métier. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, c'est la passion qui m'anime, c'est la cuisine. Et puis notre métier tend vers l'élégance, vers quelque chose qui n'a pas l'image de ce qui pouvait être il y a quelques années. Aujourd'hui, les cuisines qu'on vient de rénover sont ultra modernes. On a des conditions de travail où on travaille dans un environnement climatisé. On n'a pas les méfaits de ce que pouvait être la chaleur et les fourneaux charbon, bois, fuel et autres qu'on a pu connaître. Aujourd'hui, on travaille dans des conditions qui sont quand même bien différentes. Moi, le seul conseil que j'ai à donner pour faire la cuisine, que ce soit devant un barbecue, devant un fourneau, c'est de le faire avec passion et c'est ne jamais oublier que la cuisine, c'est l'art de transformer par le feu. Dans la langue française, ça s'appelle la transmutation, donc c'est cuire. Le goût vient en cuisant pour les éléments qui sont cuits et dans l'assaisonnement pour les éléments qui sont crus. Donc l'élément essentiel à la réussite d'un grand plat, c'est la maîtrise de sa cuisson et la maîtrise de l'assaisonnement. Parce que l'assaisonnement pendant la cuisson va changer le goût et l'assaisonnement donnera le goût à un élément cru. Donc tout ce qu'on peut faire, il n'y a pas d'interdit. Le seul interdit, c'est de faire pas bon, mais c'est surtout de faire assaisonner.